Bonsoir. Je vous attendais pour la lecture. J'ai sélectionné pour vous un texte qui m'évoque mes premiers émois. Que buvais-je à genoux dans cette bruyère, entouré de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi tiède hiver? Que pouvais-je boire dans cette genoise, ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel ouvert? Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case chérie, quelques liqueurs d'or qui fait suer. Ma couillasse, ta file ramdam, psartek, je te souhaite l'aïd mabrouk. Même au star, les meufs veulent ta maille. Je pisse du champagne, viens boire à la bouteille. Et même si je t'arrache une à une les molaires, tu suceras jamais aussi bien que ta mère. Ce texte est d'une telle richesse que je dois avouer que certains termes m'échappent. J'en ai trouvé un par ici qui... Star. Je vais de ce pas en chercher la définition sur l'internet. Je suis toute excitée à l'idée d'en découvrir un nouveau. Ah, pardonnez-moi. Dicolorue, comme c'est intéressant. Star. Mot désignant la police ou la prison selon la tournure de la phrase. Exemple, bébé, si je tombe au star, je te quitte. Mais oui, pauvre bougre, il est vrai que dans les douches, on se savonne généreusement. Eh bien, je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette découverte de la littérature française. Et comme d'habitude, je vous propose de finir avec une citation d'un de nos grands auteurs, Aurore. À l'affût du moindre écu, mon frère, s'il y avait des bites par terre, il y en a qui marcheraient sur le cul. À méditer. Lève-moi, je suis en maintenant comme c'est Psa. Tek. Psa. Psartek. C'est assez chantant finalement. C'est intéressant. Oui.